Bonjour à tous, moi c'est Hélène Recevaux, je suis licenciée au judo club de l'US Orléans et je voulais vous présenter aujourd'hui une petite séance de renfort musculaire pendant cette période de confinement pour vous faire passer le temps et puis vous maintenir en forme, c'est important. Alors, je vais vous montrer trois. Il y a un premier bloc qui se décompose en trois exercices que je vais vous montrer. Alors, premier exercice, en position de fente avant, on vient abaisser la jambe arrière à 90 degrés, on serre fort le ventre. On reste gainé au niveau du ventre et on descend lentement. On respire bien pendant l'exercice. Donc 6 à droite, 6 à gauche. On enchaîne en position de fonte. Voilà, on forme une planche, on serre fort les abdominaux. Et là, il va falloir venir avec son genou, venir toucher le coude opposé. 10 répétitions, vitesse lente. Et le troisième exercice, ce sera les abdominaux. On pose ses pieds au sol. On vide l'air qu'on a. On expire. On vient coller le dos au tapis. Et pendant toute la période de l'exercice, on reste bien bien collé au tapis. Et on va venir toucher son talon 20 fois. Donc ça, c'est le premier bloc. Vous enchaînerez 3 fois le tour. Donc, 3 tours sur ces 3 exercices. Et ensuite, on passe au bloc 2. Le bloc 2, c'est on travaille sur les mêmes parties du corps. Ce qui change, c'est qu'on maintient 10 secondes avant de faire l'exercice. Les exercices varient un petit peu. Donc, le premier exercice, on serre les abdominaux. On se met en position de flexion. On maintient 10 secondes. Et ensuite, on part sur 10 répétitions lentes où on descend bien bas. Donc, il y aura 10 flexions à faire après les 10 secondes de maintien. En position de pompe, pareil, on reste bien gainé. On maintient 10 secondes et ensuite, la jambe va venir à l'extérieur et pareil, en direction du coude. Mais c'est du même côté cette fois-ci. Donc, 10 secondes de maintien, puis 10 répétitions. Et le dernier exercice. En position de banane, on expire toute l'air qu'on a, on vient très fort avec ses lombaires appuyer sur le tapis. On reste 10 secondes comme ça et ensuite on fait 10 battements de jambes lents. Il faut bien rester le dos collé au tapis, ne jamais creuser. Si c'est trop compliqué, vous faites des plus petits battements et vous fléchissez un peu les jambes. Il faut jamais que le dos décolle du tapis. Donc, je compte sur vous pour faire le bloc 1, 3 tours. On prend 2-3 minutes de récupération, on passe sur le bloc 2. On reprend 2-3 minutes de récupération et on refait une fois le bloc 1, une fois le bloc 2. Avec 3 tours à chaque fois sur les 3 exercices. Alors, je compte sur vous pour faire cette petite séance et ça fait du bien une fois qu'on a terminé. Bon courage à tous!